Oh là là, oh la multi-désastreuse. Quelle horreur. Je vais désinstaller, je pense. Bah écoute, Bandef, on est parti. Toute première fois que tu passes, il me semble. Yeah. Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter un petit peu ton compte et ce que tu veux aujourd'hui? Alors en gros, moi je joue depuis le premier jour au jeu. Ouais. J'étais un gros fan de Zelda Breath of the Wild. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis à Genshin. J'aime pas trop les gachas en général. Mm-hmm. Et du coup, j'ai full économisé parce que bah j'aime que Noël et un peu Diluc. Et mon but, c'est d'avoir Goru C6, parce que en gros, si tu veux, il y a une forumeuse sur le forum de JVC qui s'appelle Chloé, et qui m'a dit qu'en gros, tu veux vraiment respecter ton perso, il faut que tu aies les meilleurs persos pour booster ton perso, et pas faire Ok. des sous Kokomi, tu vois. Je vois, je vois. Du coup, voilà, mon objectif, c'est d'avoir Goru C6. Pour avoir la Noël parfaite. Hein. Exact. Du coup, tu es free-to-play, c'est ça? Yep. Vu que si tu joues depuis le début, ouais, t'as pull très peu de personnages. Ouais, ton but, c'est de pull uniquement pour optimiser Noël. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y aura un nouveau perso qui peut booster Noël, je le poulerai. Ok, très bien. Et du coup, tu as, je crois, beaucoup d'invocations. Yep. Shiori et Ito, en soi, tu sais même pas si important que ça, ou pas? Alors si, c'est important, parce que je refuse de pull une sous-version de Noël, qui perd son ulti quand il swap. Ok, mais du coup, c'est Shiori que tu veux. Ouais, je déteste le perso aussi, mais bon, si je peux l'éviter, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. D'accord, bah, Kaguru, c'est combien? C'est 0. Ah, ok, donc j'espère que t'auras pas claqué toutes tes invos pour ça, mais... J'espère aussi. Mais si tu as Shiori C1 par exemple, ça t'attendrait pas de la jouer avec Noël? Alors en gros, si tu veux, vu que j'aime bien Diluc, je pourrais peut-être mettre Furina avec Diluc et peut-être mettre Shiori quoi. Mais sinon, Ouais, en effet. Perdre ton 50-50 sur Diluc, ce serait pas mal aussi. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Alors attends, est-ce que t'as avancé dans la pitié ou pas? Non, je crois pas. Généralement, tu te situerais comment au niveau chance? Plutôt maudit. Ah. Parce que Goru, ça doit pas être la première fois que t'essaies de le pull. Si tu peux mettre les 10 jusqu'à la C5 et après un par un. D'accord, ok. Ok. Parce oui, pour économiser le plus possible. Vu que je suis free. Non, ok. Ça me va, pas de soucis. Pas de soucis. Bon, Yunjin. Ah, quoique Yunjin peut jouer avec Noël, mais je sais pas si. Elle est déjà C6, mais oui, je la joue. Ah, ok. D'accord. Et Dori, bon, je suppose que, comme beaucoup de gens, c'est un peu du skip. Yep. Et du coup, par exemple, Furina, est-ce que c'est ton objectif d'aller la chercher console maintenant, vu qu'on a vu qu'elle marchait bien avec Noël? Bah, en gros, moi je l'ai déjà C1, et à partir de la C2, ça monte les dégâts de Furina, et moi je veux que ça soit Manoël qui fasse mal, pas Furina. Ouais, c'est pas faux. Après t'auras les stacks plus vite, je crois, mais ouais. Bah, franchement, okay. J'ai déjà les stacks super vite, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec Noël, qui est en groupe, c'est vrai. Ok. Donc c'est vraiment que Noël qui doit faire des damage, pas le reste. C'est ça, voilà. Et malheureusement, on a que des Yunjin pour l'instant. Donc ça se passe plutôt mal. Après, j'ai vu que t'avais quand même pull Yaemiko de mémoire. J'ai vu Yae, je crois. J'ai vu Raiden. Raiden, c'était pour pouvoir... À l'époque, en fait, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de recharge d'énergie et de team mono-géo et tout. Oh, du coup, j'avais pull Raiden pour avoir d'énergie pour recharger l'ulti de Noël. Et pour Yaemiko, c'est parce que j'aime bien Fischl et que je jouais aussi Fischl à l'époque où il n'y avait pas autant de géo. Je jouais Fischl, je voulais ma Fischl C6. Du coup, j'ai pull sur Yaemiko et je l'ai eu C2. Mais elle reste dans la boîte, je la jouerai jamais. Ah, t'as Yaemiko C2? Ouais. Ah oui, du coup, tu t'en fous. Attends, Ayaka. Explique, Ayaka Shenhok. Ayaka, en gros, c'est des abysses où il y avait deux apôtres hydro qui étaient ultra casse-couilles. Et j'avais vraiment pas envie de jouer Shangyun ou d'autres 4 étoiles de glace, là. Ouais. Du coup, j'ai poulé Ayaka, juste pour passer ces abysses. Ok, très bien. Et par contre, là, le jeu, il te shaft vraiment, là, pour le coup. T'as eu 0 Goru. Ouais. Et c'est assez inquiétant. En fait, là, ce que j'aimerais bien, c'est... aller jusqu'à 411 vœux, comme ça... What? Au bout de... Attends. Oh, j'ai eu un don là ou quoi? Mais attends, tu viens de recevoir 13k cristaux primaires là? Incroyable. What? Attends. Qui a fait ça? Bah c'est... Oh, c'est Mugen, le GOAT. What the fuck? Mais là, il vient de sauver mon compte free to play là, c'est bon? Tu es toujours free to play techniquement vu que ce n'est pas toi qui l'a... Bah oui. Première fois le x2. Forum ne What? Pourra rien dire. 13k, ok, bah écoute, bah mets toi bien, hein, parfait. Je suis hyper content, ouais. Merci Mugen. Bon, le petit proc. Bon, là, de toute façon... Diluc. Ouais, ok, Diluc. Oh, après, si tu fais avec Shuri... Bon. Ah. Shuri... Après, comme si Shuri c'est un, t'as dit que tu pouvais faire des trucs avec Diluc. Mais là, le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a eu 0 Goru. Ouais, ça me fait peur aussi. Et ça, c'est très inquiétant. Putain de merde. Non, mais... T'avais pas menti. T'avais pas menti, là, parce qu'on est déjà... À 100 poules sans un seul Goru. Ça, c'est incroyable, non, mais... la malchance. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué là, je t'avoue. Non mais. Il y a peut-être un monde où je suis Shiori avant d'avoir un Goru. Bah, j'ai. Moi, bon, j'espère que ce sera pas le cas, mais c'est que là pour l'instant, c'est assez grave pour l'instant en termes de luck. Non mais Dori. Non mais c'est une folie là.
Là, on est à 110 invocations. Je vais perdre des mois d'économie pour ça. Mais bordel de merde. Attends, j'avoue, ça t'a pris combien de temps pour ces 640 poules? Bah, je sais pas, des mois. Peut-être même des années, je sais pas. Bah ouais, non mais... Je vais l'avoir C25 ou... C'est comment? Bah là, déjà, elle est passée C6, et ça fait mal. Hein. Ok, bah, ton deuxième 5 star. Allez, un petit diluc. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, ok, c'est possible. Oh, et puis rituel, oh là là. Oh! Bah écoute. Oh, let's go! Écoute, c'était vraiment le seul 5 star que tu pouvais avoir. Ouais. Enfin, que tu voles plutôt. Donc la luck, bon, petite luck ici. C4, du coup, ton diluc. Bah écoute, on continue le gourou. On va avoir un peu de chance là. Oh, mes frères, c'est. On est à. Ah, ouais, je pas encore que c'est le forum qui m'a maudit. Ah, le premier. J'espère enfin. Le premier d'une longue série parce que là il faut que le karma s'équilibre un petit peu là. T'en fais encore 5, hein, donc c'est pas gagné. Oh ah, putain, les Yunjin aussi. Hein. Allez, ouais. Et un seul gourou en quasiment 200 poules. Oh putain, alors que des Yunjin et des Deri. Non mais là. Imagine si Mugen m'avait pas aidé, genre. Ah là, ça serait pire là. Il était très cool, mais malheureusement, il ne peut pas influencer non plus les poules. Parce que là. C'est le problème des cas. Oh mon dieu. Je suis brisé. Bah ok, bah Shuri hein, du coup. Au moins, il faudrait qu'on manque des gourous. Bon, Shuri c'est un. Après, Shuri c'est un, elle est bien avec ta Noël dans tous les cas. Si tu veux justement un moment décaler Furina et autres. Yep. Oh Dory putain. Ok. Eh bah écoute, continuons. Ok, allez, gourou c'est 2. 4, plus que 4. On a plus de 200 poules là, hein. C'est vraiment grave. Oh putain, Favonius. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais là, vous me dites, ça me rappelle Nock et son gaming, mais c'est pire que gaming ici, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Le double coup. Ok. Bon. Ça rattrape un petit peu. Légèrement. Très légèrement. Deux gourous, et tu es libéré. Attention. Est-ce qu'on aura un autre 5 star avant? Ok, bon, arc rouillé. D'ailleurs, question, l'arme, t'as déjà de quoi avec ta Noël ou pas? J'ai pas vu. Ouais, elle est déjà 5 étoiles, l'arme. Ok. Gorued, on aimerait bien Gorued. Shuri, enfin non, Dory, pardon. Là, j'ai peur que le 5 star arrive. Hein. Ok, non, toujours pas. Lynette. Non, mais c'est un. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Oh mon dieu, ton troisième 5 étoiles. Diluc, hein, on espère, mais bon, là, j'avoue que les probabilités pour que t'aies Diluc, c'est. Ah, Dory, putain. Oh, ça doit être la 12e Dory, hein. Sans déconner, ça doit vraiment être la 12e. Hein. Allez. Non, mais. C'est une blague? C'est une leçon à donner au stream, si vous êtes free to play, ne poulez jamais pour un 4 étoiles. Ah ça... Oh bordel! Qui aide? Qui aide en plus? Oh là là, oh la multi désastreuse! Quelle horreur! Ça faut le screen. Aïe. Bon, allez gourou, il serait temps de venir là par contre. Oh ok, arc de Favonius. Après je sais pas si t'avais arc de Favo R5, c'est bien pour lui donc... Ouais, je l'ai depuis longtemps. Aïe. Oh Yunjin, putain. Ah mais le compte est finito là. Non mais... Ah, t'as je vais désinstaller je pense. Après... Non mais y aura c'est pas possible les Dory là. Ouais les Dory il y en a beaucoup. Il y aura pas un buff de Noël de sitôt mais... Mais bon quand même ça fait quand même très très chier là. Ok. Alors là du coup on y va en single c'est ça? Ouais. Ok. Ça fait mal putain. Là on y va full single pour vraiment économiser le plus possible. Ça peut être long hein parce que... ça peut être très long mais je vais skip vite. On va économiser la moindre petite invocation. Yes. Allez. Bon, je skip du coup le 4 star, mais... Oh, bah let's go. Ah, enfin. Bon, alors, je peux pas dire que t'étais chanceux. C'est impossible de dire que t'étais chanceux, là, ici. Ouais, putain, je m'attendais pas à ça. T'as mis 350 poules pour avoir 6 gourous. Ah, merci Mugen. Il ouais, heureusement... la malchance. Heureusement, ouais. Ça fait combien de... 13 000... Je sais plus comment ça fait d'invocation, mais c'est quand même pas mal, je crois. Mais ouais, heureusement, Mugen, t'as bien carré là-dessus. Ça, c'est cool. Et bon, du coup, Bandev, tu vas pouvoir hein, enfin... respecter à fond ta Noël, C6, l'arme. Enfin. Est-ce que du coup, maintenant que tu as atteint ton objectif, un jour tu décideras genre d'aller carrément pool pour des raffinements de cette arme-là ou pas? Alors j'y ai pensé, mais j'ai l'impression qu'en fait Mio, ils aiment trop sortir des nouvelles armes 5 étoiles qui power creep les anciennes. Du coup j'hésite. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que là, il n'y a pas meilleure arme pour Noël quoi en termes d'effet. Mais oui, on est jamais sûr de rien. Yep. Donc je peux comprendre, ok. Du coup, alors attends, Chichi qui passe combien? Ah, C2, aïe. Diluc, C4, ça c'est la bonne nouvelle. Lui, C6, c'était l'objectif principal, Gourou. Pookie qui passe C1. Et après, bon, Lunette qui passe C1. Bon, Dory, hein, évidemment qu'elle passe C6. Et Shiori qui passe C1, alors que tu la voulais pas tant que ça au final.
Ouais, mais du coup, elle pourrait aller avec Noël, donc c'est pas mal. Avec, ouais, c'était soit C0, c'était soit Pachuri, soit C1 au final, en soi, en termes de gamme. Ouais, c'est Donc ça. là, au final, c'est pas mal. Ok, bah écoute, Bandef, bah quand même, merci d'avoir partagé la session. C'était une session que je Ouais. trouve intéressante, surtout que t'as un profil de joueur qui vraiment est. C'est vraiment focus sur un seul et même perso, quoi. Il y a des joueurs qui sont, on va dire, un peu. Qui focus un seul perso, mais qui vont se permettre quelques petits écarts par-ci par-là. Mais toi, c'est vraiment un seul perso et la faire briller à fond. Ce qui est intéressant. C'est ça. Donc c'est assez cool. Bah écoute, bah, profite bien de ta Noël maintenant. Hyper Carry Goru, c'est 6. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne en abysse. Yep, profite bien. Même si je crois que ces abysses-là sont peut-être pas terribles pour elle, quoique s'il appartient. Moi, je la joue quand même. Et puis bah écoute, passe une très bonne soirée, Bandefa. À toi aussi. N'hésitez pas à passer sur le forum Genshin de JVC. On est plutôt gentils. Vous avez entendu. Allez, à plus, Bandefa. Ciao!